Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. En ce cas, pour une nouvelle vidéo de la famille aujourd'hui, beaucoup d'actu sur Fortnite. On va aussi revenir sur 2-3 actus parce qu'il y en a en fait qui suivent pas les vidéos et donc du coup qui m'envoient tout le temps la même chose. C'est un peu, voilà, c'est un peu redondant. Donc du coup, on va revenir un peu sur 2-3 actualités. Avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite. On fait aussi des vidéos théories, on lit les comics, on fait tout. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est très important. Code créateur dans la boutique Fortnite, NANX2S. Vous êtes beaucoup à l'utiliser. C'est ainsi les gars, vous régalez le code créateur, c'est ainsi. Continuez, ça me fait super plaisir. Code créateur NANX2S dans la boutique de Fortnite. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Avant de commencer, concours. Le concours pour gagner 5 passes de combat ou si t'as déjà le pass de combat 1000 V-Bucks est toujours disponible sur mon nouveau compte Instagram Actualité de Fortnite. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Comme d'habitude, c'est un compte où on parle de l'actualité de Fortnite. Je vous fais aussi des vidéos sur des mystères, sur des théories, etc. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé. Alors je vais me répéter, mais parce qu'il y en a qui m'ont envoyé le message, il y en a qui m'ont dit: Anas, regarde, dans mon défi il fallait que je visite Holy Edge et il y avait écrit Holy Hatchery. Les gars, je vous en ai déjà parlé, dommage que vous suiviez pas les vidéos. Je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous avais déjà expliqué que Holy Edge va être complètement modifié et va devenir Holy Hatchery. Je vous montre une vidéo de tous les changements qu'il y aura à Holy Edge. Donc en fait il y aura des arbres aliens, il y aura le QG des aliens à Holy Edge et donc du coup le nom va changer et la ville s'appellera Holy Hatchery. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il y a un bug dans les défis. Et on a le nom de la ville à l'avant simplement. Actuellement Fortnite est en vacances, donc du coup ils peuvent pas modifier le nom de la ville dans les fichiers du jeu, parce qu'en fait ils sont en vacances. Voilà, ils sont en train de se reposer. Voilà, SO Kimundi est en train de se reposer. Donc du coup ils vont profiter un peu de leur temps de repos avant de reprendre le sale. Alors parlons un peu de l'avancement du vaisseau, ça fait un petit moment qu'on en a pas parlé. Et le vaisseau a pas mal avancé, il a dépassé Steamy Stack. Et en fait du coup maintenant il se dirige vers Stealthy Stronghold. Donc voilà, le vaisseau avance super bien, mais on a eu une information exclusive. On a eu la position finale du vaisseau avant la prochaine mise à jour qui sera la 17.20. On a eu une image du dernier emplacement du vaisseau avant la 17.20. Je vous l'affiche, ce sera au-dessus de Coral Castle. Voilà, on l'avait dit à l'avance, on savait ce qui allait se passer. Le vaisseau va tout simplement se mettre au-dessus de Coral Castle avant la mise à jour 17.20. Et on imagine qu'après la mise à jour 17.20, on aura Coral Castle qui aurait été détruit et le vaisseau aura peut-être remplacé une des villes qu'on a à l'intérieur par un endroit Coral Castle. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on l'avait dit depuis le début, Coral Castle va être détruit, c'est sûr et certain. Par contre, ce qu'on savait pas, c'est que peut-être Coral Castle ne sera pas le seul endroit qui va être abducté par le vaisseau alien. On a aussi un bout de la ferme à côté de Corny Complex qui va être soulevé par le vaisseau. Donc je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Je vous affiche le bout de terre qui va être chopé. Ça ressemblera un peu justement à l'île qui flottait en chapitre 1. Et en fait voilà, ce sera un morceau de la ferme à côté de Corny Complex qui justement sera abducté par les aliens. Après je sais pas si elle continuera de voler en dessous du vaisseau ou si elle sera carrément détruite, mais en tout cas il y aura un bout de la ferme à côté de Corny Complex qui va être abducté. Et du coup ça me renvoie au dernier défi légendaire qu'on a eu par rapport au fermier qui habite là-bas. Le fermier qui habite à la ferme à côté de Corny Complex, il a beaucoup fait de recherches récemment sur les aliens et d'ailleurs il nous a dit à la fin que lui aussi il allait contre-attaquer les aliens. Donc peut-être que les aliens vont le savoir et donc du coup ils vont l'attaquer en chopant un bout de sa ferme. Voilà, on verra, mais en tout cas je pense que c'est un scénario grave possible. Aussi, information incroyable, j'ai oublié de vous en parler parce que ces temps-ci je sortais des vidéos un peu plus sur l'histoire. Comme vous le savez, à Corny Complex, on a un tableau qui a été fait par Rick, de Rick et Morty. Et en fait, un tableau en fait qui nous montre un peu un schéma de Rick. Et bien ce schéma-là a été fait exactement pareil dans le dernier épisode de Rick et Morty de la dernière saison, la saison 5 je crois. Donc en fait, il y a une toute nouvelle saison de Rick et Morty qui est sortie. Elle est disponible que sur le site Adult Swim, non pas sur Netflix, non pas sur d'autres sites, elle est disponible que sur Adult Swim. Et en fait, dans ce dernier épisode-là, on a eu exactement le même dessin qu'a fait disponible à Corny Complex qui a été fait dans la série. Voilà, par Rick de Rick et Morty. Donc du coup, j'irai voir l'épisode pour voir s'il n'y a pas des infos peut-être sur un futur, une future collab ou quoi que ce soit. Mais en tout cas les gars, on a eu exactement le même schéma.
Alors, est-ce que bientôt on pourra prendre les œufs d'aliens? Alors, vous avez été beaucoup à me dire, Anas, les parasites peuvent infecter les poules et les poules pondent des œufs aliens. J'étais déjà au courant, mais par contre, ce que je savais pas, c'est qu'il y a un joueur qui était avec son pote en train de jouer, et quand à un moment il s'est approché d'un œuf, il y avait écrit qu'il pouvait le prendre. Il a pas pu le prendre, c'était juste un truc qui s'affichait, mais c'était pas encore disponible. Mais du coup, peut-être que ça annonce le fait que bientôt on pourra récupérer les œufs aliens et peut-être les lancer sur les ennemis pour leur mettre un parasite sur la tête. Alors, le parasite, ça donne beaucoup d'avantages, donc ce serait un peu idiot, mais par contre, ça donne un désavantage, c'est que ça enlève 60 PV. Donc ce serait pas con que t'envoies un parasite sur un ennemi, ça lui enlève 60 et tu le tues après. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup ça pourrait être cool. Après peut-être que du coup quand on les prendra sur nous, ça sera plutôt que les 60 PV à enlever et le parasite ne s'accrochera pas sur l'ennemi. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, on pourra les prendre, peut-être pour les utiliser plus tard sur soi-même et pouvoir avoir un parasite plus tard dans la game. C'est possible. Donc la famille, on se retrouve sur Fortnite. Pourquoi on se retrouve sur Fortnite? C'est parce qu'en fait, tout simplement, si je vais dans mon casier Fortnite, ils ont régalé. Ils m'ont offert Batman.0. Donc je vais mettre tout le set, les gars, et on va analyser le skin. On va analyser le skin et on va regarder ensemble à quoi il ressemble, etc. Les gars, avant toute chose, dans la boutique d'objets, si vous voulez acheter des choses, quoi que ce soit, vous faire plaisir, n'hésitez pas, n'oubliez pas le code NANX2S dans la boutique. Voilà, NANX2S dans la boutique. Acceptez. Et du coup, vous faites plaisir si vous le mettez. Merci beaucoup à ceux qui le mettent. Donc voilà, les gars, Batman.0. Donc il est incroyable, je suis choqué. Donc du coup, le skin c'est Batman 0 en armure, c'est le combat qui l'a endurci. Donc du coup, je vous le présente. Attendez, je vais mettre ma cam ailleurs. Voilà, je vais mettre ma cam ici en attendant que je vous le présente. Donc voilà le skin. Incroyable. Il est incroyable. Ensuite sa cape, cape exoplaneur, préparez-vous à prendre votre envol. La cape aussi, elle est vraiment stylée. La pioche, hache batarang, un outil improvisé au cœur du combat. Ok. Et après, ben, la traînée, ah, le planeur. Waouh. Ok. Alors c'est quoi la description du planeur? Exoplaneur de Batman spécialement recréé pour le combat. Ok. Donc bien sûr je remercie Fortnite de me l'avoir envoyé. C'est Fortnite qui me l'ont envoyé le skin. Donc je les remercie du fond du cœur. Merci beaucoup à Fortnite. Donc du coup on va aller voir le skin. À quoi il ressemble en jeu. Le planeur etc. Comme d'habitude. Vous connaissez, on fait une petite présentation du skin. Le skin sort le 6 juin. Voilà, donc le 6 juin. Donc vous regardez cette vidéo. On est sûrement le 5. Donc il sort demain. Donc je crois que c'est ça. Je sais pas quand est-ce vous... Non. Vous regardez la vidéo. On est le 4. Donc il sort après-demain. Ok. Donc du coup il sortira en boutique. Je sais pas exactement le prix, mais du coup pour ceux qui veulent l'acheter, voilà, je vais vous présenter le skin. Ok, le planeur est vraiment beau. Il est large. Oh, le planeur, comment il est large. Il y a des gens qui m'ont dit, Anas, dernière vidéo, t'as pas visé avec le skin, je sais plus c'était quoi comme skin que j'avais testé dans la dernière vidéo. Enfin, dans une des dernières vidéos. Bon, après, le skin est lourd. Enfin, il est pas lourd, mais il est gros. Donc, en fait, pour ceux qui veulent tryhard, c'est pas du tout un skin pour vous. Je sais plus c'est quel skin que j'avais testé récemment. Mais il y en a, ils m'ont dit, Anas, t'as pas visé avec. J'aurais bien voulu que tu vises avec pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, je vais plus oublier, les gars, je viserai tout le temps avec le skin que je teste. Donc, du coup, on rentre ici. Voilà, là, j'ai une arme. Voilà, et le skin, il est vraiment gros. Alors, en fait, on dirait qu'il est un peu comme ça, tu sais. On dirait qu'il est un peu recroquevillé sur lui-même à cause de la cape. C'est la cape, en fait. Elle est trop grosse. Donc je vais sortir. Voilà, on va se mettre là. Voilà à quoi ça ressemble quand on vise. On voit un peu Batman, barbe de 3 jours, les yeux bleus. C'est vraiment une tenue qui franchement est très stylée à avoir dans le casier. Pas forcément à utiliser, mais tu sais, avoir dans le casier. Voilà, pour dire que voilà, t'étais là quand il y a eu les comics de Batman, etc. Oh, j'ai entendu un bruit, j'ai flippé ma mère. Alors bien évidemment les gars, ce skin annonce la fin des comics. Ce skin sortira en dernier pour justement le dernier comics, le comics numéro 6, qui sera disponible mardi. Donc mardi, soyez sûr de vous être abonné et d'avoir activé la cloche les gars. Mardi ou lundi, si j'arrive à l'avoir à l'avance, on lira le nouveau comics. Voilà, on lira le nouveau comics et on découvrira les plus gros secrets de Fortnite. Qui est le grand méchant de Fortnite, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, etc, etc. Donc soyez bien sûr les gars d'avoir activé la cloche. Mardi, on se fait le nouveau comics, ou au pire lundi si j'arrive à l'avoir à l'avance. Mais sinon voilà. Donc voilà le skin Batman.0. J'ai pas d'emote malheureusement où le skin il tourne. J'aurais bien voulu vous le faire montrer. Les gars, vous me direz dans les commentaires, c'est quoi l'emote de Fortnite où le personnage il tourne sur lui-même? Au moins quand elle sort en boutique, je l'achète. Au moins quand je vous présente un skin, je le fais tourner sur lui-même. Parce que là, le voir juste de dos, c'est un peu dommage. Donc voilà le skin les gars, à quoi il ressemble vu de devant. Donc en fait, je suis parti en mode rediff. Et voilà à quoi il ressemble de devant. Donc je vous montre un peu un tour du propriétaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez une note sur 10. Moi je donne, franchement je donne quoi? Je donne un bon 8,5 sur 10. Dites-moi la note que vous donnez dans les commentaires.
Alors la famille, news un plus, on a à Chicago des gens qui ont vu en fait un mec faire une peinture sur en fait un mur. Et en fait c'est une annonce de quelque chose qui va arriver dans le futur. Donc en fait c'est Fortnite qui a engagé ce mec. Et du coup en fait il est en train de faire une peinture, il y a une date qui est écrite le 14 juillet. Alors du coup qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des ailes, des grandes ailes, et on peut voir une couronne. Et du coup on sait pas ce qui va se passer, mais ça va se passer le 14 juillet. Alors à ce qui paraît, alors il y a deux rumeurs qui circulent. La rumeur que j'y crois pas trop, c'est par rapport à Juice WRLD. Ça serait en fait un skin Juice World tiré sur Fortnite. J'y crois pas trop. Ensuite, on en a une autre de rumeur, c'est qu'en fait, ça serait pour le petit Midas. Voilà, on avait eu en fait des leaks en fait d'un studio qui a été racheté il y a pas longtemps par Epic Games. Et ce studio-là avait fait une sorte de Midas mais jeune, tu vois. Je vous affiche l'image. Et en fait, ça serait pour lui. Puis il y a la couronne et du coup, ben, les ailes, on sait pas pourquoi, mais bon bref, ça serait pour ça. Mais moi, celle que je crois le plus, c'est pour LeBron James. En fait, ça serait pour un skin LeBron James, donc la couronne parce que c'est le King. Voilà, on dit souvent un King James. Et aussi, on sait que il devait y avoir un skin LeBron James qui arriverait sur Fortnite. On l'avait eu un peu les leaks dans le dossier qui avait fuité par rapport au procès contre Apple. On avait eu en fait des informations dans ce dossier là et on avait eu l'information que Fortnite avait prévu une collaboration avec LeBron James il y a un petit moment, mais qu'il l'avait pas sorti, mais qui du coup va sortir sûrement. Et donc du coup ça pourrait être le skin LeBron James qui sortirait le 14 juillet dans Fortnite. Et cette image là, enfin ce dessin là, ben en fait serait un teaser pour le skin LeBron James. On verra, mais en tout cas voilà, c'est un truc qui a pas mal tourné récemment. Du coup moi je pense que c'est pour LeBron James, mais on verra. Alors, information qui a choqué pas mal de monde et qui du coup est sur le titre de la vidéo, je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué. En fait, on a une rumeur qui a circulé qui nous vient de Twea BR, donc en fait qui est un leaker. C'est un leaker franchement que je ne crois pas à 100%. C'est un bon leaker, en vrai c'est un bon leaker, mais c'est pas quelqu'un que je vais croire à 100%. Et il a dit en fait, d'après une source sûre qu'il connaît, Fortnite collaborerait avec la Shueisha pour faire des collaborations d'animés dans Fortnite. Alors, beaucoup de choses à dire. Déjà, comme je vous ai dit, Twea BR, la source vient de lui et vraiment, je crois pas trop en ce leaker. Voilà. Ça c'est une grosse information et je crois pas trop à 100% à ça. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu dans les commentaires que Tabor Hill n'a pas en fait contredit ce qu'il a dit. Il a juste mis un gif genre en mode content. Donc du coup, Tabor Hill, c'est un mec qui a des informations à l'avance et qui lui par contre, je le crois à 1000% parce que Tabor Hill, il connaît quelqu'un qui travaille chez Epic Games et tout ce qu'il a dit c'est réel. Enfin, il connaît quelqu'un qui travaille chez Epic Games, il se trompe jamais. Et le fait que Tabor Hill ne contredise pas ce qu'a dit Twea BR mais au contraire approuve, ben ça me fait dire que ça a l'air d'être réel. Ça a l'air vraiment d'être une vraie information. Et ce qui me fait encore plus penser ça, c'est qu'en fait, on avait eu dans le leak du dossier de Fortnite contre Apple, on avait eu l'information que Fortnite avait prévu une collaboration avec Naruto, mais finalement elle avait pas vu le jour et du coup sûrement qu'il l'avait décalé à plus tard. Et là du coup la Shueisha c'est une maison d'édition d'animé mais qui est juste incroyable. Ils ont fait l'édition de plein d'animés, les plus gros animés qui existent. Ils ont fait Naruto, One Piece, Dragon Ball, ils ont fait Bleach, ils ont fait Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter comme vous le dites. Beaucoup d'animés. Et donc du coup si Fortnite commence à collaborer avec la Shueisha, on pourrait avoir un skin Ichigo, on pourrait avoir un skin Gon ou Kirua, on pourrait avoir le skin Sangoku, on pourrait avoir le skin Luffy, on pourrait avoir le skin Naruto. Franchement ça serait incroyable. Et du coup j'y croyais pas trop à cette rumeur, mais finalement le fait que Tabor Hill l'approuve et le fait qu'on avait eu le leak que Fortnite avait prévu une collab avec Naruto, ça fait beaucoup. Donc je commence à y croire et je me dis que c'est vrai, peut-être que Fortnite collabore avec la Shueisha pour nous faire des collabs d'animés incroyables. C'est ça la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte bien évidemment les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.